monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera des produits terminés. J'ai un panier blindé plus quelques produits à côté de moi. Avant tout ça, je voulais vous dire que j'avais remis quelques petits articles sur mon Vinted. Mon Vinted se met juste ici. Ce sont des vêtements, j'ai mis des livres et pas mal de rouges à lèvres. J'ai fait tout le tri dans mes rouges à lèvres. J'ai bien fait attention à tous ceux qui étaient plus bons ou encore bons. Et tout ce que je pouvais vous mettre en vente, je les ai mis en vente avec des petits prix. J'espère en tout cas qu'ils vous plairont comme petits prix. N'hésitez pas à aller voir sur Vinted si vous êtes intéressé et s'il y a encore des choses à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Bref, dans les produits terminés, il y a de tout. Il y a de l'alimentation, il me semble, de la beauté bien entendu, et de la maison, un peu lifestyle. Donc c'est parti parce que après je mets tout ça à la poubelle pour faire de la place. Et on va mettre la poubelle ici. Non, ça ne va pas ça. Je vais la mettre là. Bref, c'est parti, on commence. Alors, de la marque Repair, hyper doux, on a terminé ceci. C'est un adoucissant. Celui-ci c'était Rêve Merveilleux. Franchement, ils sont très très bien. Pour le prix, c'est plutôt pas mal. C'est de l'assouplissant liquide. Donc, moi, ça me va. Je rajoute tout le temps ça. Sauf quand les petites billes de chez Lénor sont en promo, je rajoute du Lénor. Mais sinon, ça, ça me va très très bien. Et ça dure plutôt bien dans le temps. Ensuite, je vous ai gardé ceci, toujours de la marque Repair. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Repair. C'est pour nettoyer les sols. Celui-ci, c'était fraîcheur muguet. Ça m'a fait une éternité. Pourtant, je fais mes sols... beaucoup de fois par semaine et sincèrement ça m'a duré plutôt pas mal de temps. Faut juste un petit bouchon, ça sent bon, après il n'y a rien d'exceptionnel mais bon, ça a l'effet que vous nettoyez correctement votre maison et la marque Repair, sincèrement c'est bien suffisant pour nettoyer des sols. Ensuite on va toujours dans la maison, la marque Le Chat. J'achète ce genre de marque que quand c'est en promo, vous savez, à acheter le deuxième offert ou à moitié, à 50% le second. Enfin, j'achète jamais sinon de grosses marques comme ça, parce que je trouve ça hyper cher. Pareil, on parle encore, mais voyez, moi les boîtes comme ça là, avec le sécurité enfant, je pense qu'il y a une sécurité également adulte ou personne pas intelligente comme moi, parce que à chaque fois, j'ai trop de mal à l'ouvrir, quoi. Donc souvent, je laisse un petit peu ouvert comme ça. Essayez d'être intelligente hein. Bref, Le Chat, donc là c'était parfum rose du matin. Rosé du matin, 4 en 1, ouais. Il était plutôt pas mal. Il nettoie bien le linge, j'en demande pas plus. Sincèrement, on va mettre ça là parce que la poubelle va être vite pleine. Mais elle était très bien. Maintenant pour de la marque, je vois pas l'effet entre cette marque et de la marque Repair, sincèrement. Moi du moment que ça nettoie mon linge, j'en demande pas plus hein. Ils vont pas me remettre mes vêtements à neuf non plus, que ce soit de la marque ou pas. Ensuite, de My Jolie Candle, j'en ai terminé une, c'était fleur de coton, comme ceci. Alors moi, j'adore ce genre de bijoux, ce sont ce genre de bougies. Je trouve que c'est un cadeau deux en un. Là, j'avais pris des petites boucles d'oreilles, c'est la première fois que je teste les boucles d'oreilles. Et sincèrement, j'étais un petit poil déçue. Je vais vous montrer, je vais vous en montrer une. Donc, pour le prix, c'est plutôt pas mal, mais je suis un poil déçue de la boucle d'oreille. Et comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, elle est très jolie, mais je sais pas. Il y a un truc que j'aime pas. Je trouve que la petite, j'aurais préféré avoir que les quatre petits strass et pas la petite chaînette. Enfin, je sais pas. La petite chaînette, je trouve qu'elle fait un peu cheap. Maintenant, je suis très très contente. Je trouve que ce sont des bougies qui sentent ultra bon dans la maison. Moi, je l'ai mis en bas et ça a embaumé tout mon salon, salle à manger et mon couloir d'entrée. Donc, je suis contente. Maintenant, elle se consume pas non plus. Correctement de folie hein. Mais bon, j'étais très contente. Si quelqu'un veut m'en offrir, n'hésitez pas hein. Ensuite, j'ai terminé niveau beauté de chez Sephora le Hair Booster, donc c'est la seconde fois que je termine ça. Ce sont des petites gommes goût mangue enrichies en biotine et sélénium, et dedans vous en avez 60, c'est pour 30 jours, c'est pour la pousse des cheveux, donc c'est un complément alimentaire, favorise la croissance et le renforcement des cheveux. Sincèrement, je trouve que ça fonctionne quand même pas mal. Ça a le prix, je crois, de 14,99 chez Sephora. Vous avez plusieurs gammes
Vous n'avez pas que pour les cheveux, hein. Moi je prends celle-ci parce que c'est ce que j'ai besoin. C'est facile à prendre tous les jours parce que c'est un petit goût de fruits. C'est pas des petites gélules à avaler, ce sont des gommes. Moi j'aime bien. Maintenant je suis en train de tester une autre marque en continu aussi. Donc je vous en reparlerai. Mais ça pour le prix je trouve ça plutôt pas mal. C'est vrai que mes cheveux j'en perds un petit peu moins que j'ai pu en perdre dans ma brosse à cheveux. Et je pense que c'est grâce à ça. Ensuite de la marque Repair, pareil, j'ai terminé une crème dépilatoire qui est vraiment vraiment bien. Ça fait pas le focus. Voilà, qui est vraiment cool. Moi j'utilise, je mets ça partout, que ce soit aisselle, jambes, maillot. Et en 5 minutes chrono, tout est enlevé sous la douche avec une éponge. J'essaie de vous trouver l'éponge que j'ai. C'est de la marque Vite, je vous mettrai une photo ici. Et moi je trouve ça top comme éponge. Ça gratte bien et ça enlève bien le poil. Donc ça oui je rachèterai. Si vous me suivez depuis pas longtemps, vous allez dire que la crème dépilatoire c'est nul. Mais je trouve que le rasoir je ne peux plus. L'année dernière je me suis entaillé la jambe sur 5 cm. Et depuis j'ai un malaise, enfin c'est malaisant dès que je prends un rasoir, donc je ne peux plus. Et se faire s'épiler soi-même, je trouve que c'est hyper long, il vous en reste tout le temps, et aller chez l'esthéticienne tous les mois, tous les 1 mois et demi pour enlever les poils de jambes, ça me gonfle. Que ça c'est plutôt cool, en 5 minutes chrono c'est vite fait, même si vous n'avez pas trop le temps, vous avez le temps de faire d'autres choses pendant que ça agit. Bref, moi ça je trouve ça super cool. En ce moment j'ai la pompe de chez Vite qui est vraiment top 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 également. De chez Dove j'ai terminé celui-ci. Et ben j'ai adoré. Ça si je le retrouve je vais me le reprendre. C'est le au parfum bonbon multicolore. Ça sent trop bon. Je trouve que ça sent le jus de fruits multivitaminé, je trouve. Mais hyper sucré. J'aime trop ce truc là. De toute façon chez Dove tout ce qui est sucré comme ça, Dragibus, celui-ci, Coca, Tagada et Guimauve, moi je les adore, ou Barba Papa. Enfin bref, moi j'aime énormément ce genre d'odeur. Donc ça oui je rachèterai et je rachète très très régulièrement si vous me suivez. Ensuite j'ai terminé une bougie My Jolly Candle, Yankee Candle, c'était une grosse jarre au jasmin et sweet hay, donc jasmin et bottes de foin. J'ai adoré, ça sentait hyper bon dans la maison. Donc vous voyez il reste un petit fond mais je peux plus l'allumer. Ça coûte 30 €, mais ça dure dans le temps. Le pot je le trouve canon. Là je l'ai mis dans mes produits terminés mais je vais le nettoyer et je vais le garder parce que je trouve le pot vraiment vraiment joli. Ça peut servir que ce soit ici ou ailleurs, je vais savoir quoi en faire. Et jasmin et feu et bottes de foin, j'ai adoré. Quand je vais retourner à Louvigny, parce que moi je les achète là-bas, où je sais que dans un centre accord à côté de chez moi, à Bayeux, ils en vendent. Donc il faudrait que j'aille voir. Ça coûte 30 €, mais ça dure dans le temps. Elle m'a duré presque 1 mois et demi en la faisant, en l'allumant pratiquement tous les jours. Et elle s'est vraiment bien consumée, je trouve. Donc ça, je rachèterai et je vous le conseille malgré le prix. Ensuite, du comptoir de la bougie, bougie parfumée, pomme d'amour. Je vous ai montré ça, je crois, la semaine dernière en vlog, ou je sais plus quand en vlog. J'avais acheté ça à Centre Accord à moins de 2 € ou 2,49 €. Bref, c'est nul. Comme ça, quand vous sentez, ça sent bon, mais une fois allumé, ça sent rien du tout. C'est pas très cher, mais ça vaut vraiment pas le coup. Et j'en ai une seconde, hop, que j'ai fini aussi. C'était bois envoûtant et ça c'est de la marque Atmosfera. C'est bizarre, c'est pas de la même marque mais c'est le même packaging. Bah si, Atmosfera aussi. Donc c'était celle-ci et pareil. Franchement ça sent rien du tout. Elle se consomme très 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 bien. C'était bois envoûtant. Quand vous sentez comme ça, ça sent. Mais une fois allumé, ça sent plus rien. Enfin, je vous conseille pas du tout. Ensuite... il y a des trucs dans des trucs dans des trucs. Pour les toilettes, j'ai gardé ça parce que c'est rare que je vous montre un peu les produits ménagers que j'utilise. Et moi, pour les toilettes, j'adore ceci. C'est la marque Canard WC, je crois. Johnson. C'est les Fresh Discs. Vous savez, c'est à mettre au niveau du tour de vos toilettes. Et moi, j'adore. Je trouve que mes toilettes sont hyper bon. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais d'odeur. Et c'est plutôt cool. Un poil cher on va dire,
Mais en ce moment, je sais qu'ils sont en promo à Leclerc, donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, je vous montre ceci parce que j'achète tout le temps ça maintenant depuis des années à Action. Ce sont les sacs poubelles de chez Action en 60 litres. Il y a déjà le lien dedans, donc ça c'est cool. Et ils sont hyper bien, pas chers, ils sont à moins de 2 euros et nous on n'achète que cela maintenant. Ensuite, une petite bougie Yankee Candle que Mylène m'avait offert. C'est tartelette aux noix de pécan. Celle-ci, je l'ai mise dans ma cuisine et ça sentait trop bon et ça sent toujours très très bon. C'était une petite jarre. Je trouve ça trop mignon, les petites jarres. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Pourtant, je ne me serais pas du tout tournée de moi-même vers une odeur comme ça, mais j'ai adoré. Ensuite, ça pareil, je vais la garder. C'était une My Jolie Candle avec mon signe astral, donc le bijou qui est juste ici. Et j'ai adoré cette bougie, je l'ai eue à Noël par ma petite belle-sœur et son conjoint tout simplement. Le pot est hyper hyper sympa, il est très très fin. Pareil, ça je vais le nettoyer et puis le garder, ça sentait ultra ultra bon. Une odeur de propre, il n'y avait pas vraiment d'odeur parce que c'est édition astro en fait, il parlait plus du bijou. Mais ça sentait, je sais pas, le propre, le frais, ça embaumait vraiment tout le rez-de-chaussée de ma maison. Et ça, je pense que je pourrais me le racheter malgré sans le bijou ou avec le bijou. J'ai adoré. Faudrait que je me renseigne un peu c'était quoi comme odeur pour changer, parce que je vais pas reprendre 50 fois le même bijou. Mais ça, j'ai beaucoup aimé de My Jolie Candle. Matt a terminé deux déos. Vous savez qu'il prend toujours les MNN et d'habitude il prend celui-ci. Et une fois, je lui avais pris ça, il a beaucoup aimé aussi. Ce sont des déos sans alcool et en stick, donc voilà, si vous avez des hommes qui veulent tester un déo efficace, celui-ci est très 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 efficace. Ensuite, j'ai terminé ceci de la marque Footstep. Vous trouvez ça chez Action. Ce sont des chaussettes exfoliantes anti-callosité. Vous mettez ça pendant 2 heures de temps, donc forcément il ne faut pas faire grand chose. Et moi je remets des grosses chaussettes par dessus et au bout de 5 à 15 jours vous avez les pieds qui pèlent, vous avez toutes vos peaux mortes qui s'en vont et vos pieds sont d'une douceur après. Moi j'aime trop faire ça à chaque changement de saison, donc je le fais à peu près 4 fois, oui parce qu'il y a 4 saisons dans l'année. Je le fais à peu près 4 fois dans l'année et ça coûte 1,99€. À un moment donné je vous en mettais pas mal dans vos colis Vinted si... Là j'ai d'autres choses à vous mettre dans les colis Vinted, mais ça pourquoi pas racheter pour mettre des fois dans des petits colis plutôt sympas. Ensuite vous voyez j'ai reterminé un autre dop, celui-ci je l'avais jamais testé, c'est le fraise sucrée, les grosses fraises en guimauve. Et pareil ça sentait très très bon, mais maintenant c'est pas mon préféré, je trouve qu'il sent un médicament à la fraise, le doliprane à la fraise quand on était petit. Maintenant j'ai beaucoup aimé mais je suis pas sûre de racheter cette collection là. Ensuite, j'ai terminé beaucoup de déodorants Vichy. Vous savez que c'est mon déodorant favori maintenant. C'est le Vichy déodorant antitranspirant 48 heures, anti-trace blanche et anti-trace jaune. Il n'y a pas d'alcool dedans, mais s'il n'y a pas d'alcool, il y a du sel d'aluminium. Franchement, je m'en fiche. Je le trouve trop trop bien. Moi, j'achète sur la parapharmacie Prado Mermoz. Parce que je trouve que c'est la meilleure parapharmacie niveau qualité-prix, surtout prix. Parce que moi j'achète les deux 11 euros et j'ai déjà vu un à 9 euros quand même ailleurs. Mais, donc j'en ai terminé 3, j'en ai encore en backup, j'en ai toujours en backup. Bon, on a été coupé puisque je n'avais plus de batterie. Donc ça fait très très longtemps, enfin très longtemps, quelques heures que je vous ai abandonné. Puisque j'ai mis ma batterie en charge, j'ai eu le temps de ranger cette pièce à peu près. J'ai eu le temps de faire ma sieste puisque je reprends mes nuits ce soir, donc samedi soir. Vous aurez cette vidéo, je pense, dimanche matin. Bref, j'ai eu le temps de vider la poubelle qui était déjà pleine de produits terminés. Donc on va continuer. Hop, je vous disais, ça j'en ai toujours en backup. J'ai pris ma douche et je remarquais que par contre j'en avais plus beaucoup en backup. Donc il va falloir que je m'affole à faire une commande sur Prado Mermoz. Ensuite, de la marque Lotus, j'ai goûté ceci, les gaufres fourrées vanille. Moi je les aime beaucoup. Maintenant c'est vrai que ça a un effet un peu cartonné. Hein, je sais pas trop comment. Enfin oui. On dirait qu'il y a un peu du carton, mais moi la vanille à l'intérieur, je sais pas. Elle me rappelle une vanille d'enfance que j'aime trop. Donc j'en rachète souvent pour mon petit déjeuner.
de la marque Manava, comme ceci. C'est un gel douche au monoeil. C'est pas mon préféré au monoeil, puisque mon préféré au monoeil, si vous me suivez depuis longtemps, c'est celui de chez Yves Rocher. Mais je sais qu'en ce moment, ils sont en promo, donc pourquoi pas en racheter. Ensuite, de la marque Galéjade, vous savez, ce sont les bougies que j'achète au Castellet quand on part dans le sud. Moi, je les aime trop. Je trouve qu'ils sentent super bon. Celle-ci, c'était à la fleur d'oranger. Ça fait un moment que je l'ai terminée et ça sent toujours la fleur d'oranger. Ce sont d'excellentes bougies. Si vous partez dans le sud, entre Toulon et Marseille, allez visiter le Castellet. Déjà, c'est un village qui est magnifique, mais allez voir la boutique, elle est tellement belle. Il n'y a pas d'autre boutique en France qui puisse l'égaler. C'est tellement joli, enfin c'est cocon et tout. Moi j'aime beaucoup et leurs bougies j'en rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ainsi que leur spray pour la maison, j'en achète tout le temps, j'en ai une tonne. D'ailleurs peut-être que j'en ai terminé là. Non, j'en ai pas encore terminé, mais il y en a 2-3, ça ne saurait tarder. Ensuite, vous savez, j'ai fait un swap de Noël avec Laura, d'ailleurs encore merci Laura. Et j'ai terminé 3 de ces petites bougies qu'elle m'avait envoyées de la marque Les Bougies de Charroux. Donc tout d'abord, une toute petite comme ceci, bonbon, je sais pas si vous voyez bien. J'ai adoré celle-ci, elle sentait trop bon, mais elle était trop petite. Je pense que je vais me refaire une commande le mois prochain, parce que là j'ai quelques bougies quand même pour ce mois-là. Mais le mois prochain, je pense que je vais faire une commande des bougies de Charroux et je vous en reparlerai. Pourquoi pas vous faire une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo sur un haul bougie. De toute façon, j'ai envie de vous dire, même si vous me dites non, je pense que je vous la ferai. Donc, bref, mais au bonbon, c'est ma favorite. J'avais connu ces bougies-là grâce à la Marie Blabla sur Instagram et... Laura m'en a offert, je suis trop contente. Ensuite, elle m'avait offert celle-ci, fleur de coton, pareil. Ça, c'est le moyen, il me semble. C'est pas le gros, ça, je crois que c'est le moyen. Et pareil, ça sent super bon, ça embaume vraiment bien la maison. Ça, c'est sous forme de petits pots de confiture. Ça se consomme plutôt drôlement bien. Donc ça, je suis contente. Et celle-ci, fleur d'oranger, pareil. Elle était un peu trop petite. C'est bizarre, là, elle a pris de chaud. Elle a pris un coup de chaud, mais je sais pas pourquoi. Mais bon, elle sent encore la fleur d'oranger. Enfin, moi, j'aime trop ces bougies-là. Et puis, c'est pas du tout, du tout cher. Le gros pot, je crois qu'il a 9,50 ou 11,50. Et le plus gros pot, hein. Donc, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc, je ferai une commande le mois prochain. J'ai terminé un gel douche Manava, j'en ai hein, en backup, mais je les utilise presque plus puisque j'utilise ceux de chez Vichy. Je les aime bien, mais ceux de chez Vichy, vraiment, ils sont vraiment, vraiment top. Ceux-là, je les aime bien parce qu'ils ont une petite odeur plus sympa que les Vichy, parce que les Vichy, c'est une odeur assez neutre, mais j'aime plutôt bien. Alors, un combo, c'est l'après-shampoing et le masque. Il manque le shampoing, c'est bizarre. Bon, il est encore dans ma douche, je sais. De chez Sienne, de chez Lidl, dans la gamme Oil Care. J'adore cette gamme. Que j'ai les extensions ou plus maintenant, j'ai adoré. Ça nourrit, ça hydrate vos cheveux, ça les fait briller sans les alourdir. Sachant que moi j'ai la pointe sèche, mais la racine grasse, ça ne m'a pas du tout alourdi non plus ma racine. Donc ça, je rachète. Et puis, niveau prix, j'ai envie de vous dire, c'est... imbattable. Vous avez le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Là, je vous présente l'après-shampoing et le masque. L'après-shampoing démêle très très bien et le masque nourrit hyper bien. Vous n'avez pas besoin de le faire poser un quart d'heure, 5 minutes suffit. Et ça se rince très très bien. Enfin, moi j'adore cette gamme-là. Ensuite, de chez Nuxe, j'ai terminé Sun, le shampoing douche après soleil. Je l'avais acheté pour partir à Marseille au mois de septembre. J'ai pas trop aimé. Je pense que celui-ci, shampoing douche, il faut que j'utilise que en gel douche parce qu'en shampoing, il assèche beaucoup, beaucoup, beaucoup trop les pointes. Ça me les a cassées. C'est écrit rafraîchit et élimine les filtres UV, le sel, le chlore et le sable aux fleurs d'eau et de soleil. C'est vrai que ça sent super bon, mais pas sur mes cheveux. En tout cas, ça n'a pas du tout été efficace sur mes cheveux. Au contraire, ça les a pas du tout nourris. Alors qu'on cherche de l'hydratation et pour quand on va au soleil, là, ça les a desséchés, un truc de malade. Ensuite, encore de chez Dove, vous voyez, quand je vous dis que je les adore, j'ai terminé un Barba Papa et un Dragibus. Ce sont... la gamme que j'aime beaucoup, le sucré, le bonbon, et ça je les rachète assez régulièrement. Sachez qu'à Lidl ils les font à moins cher que dans les Leclerc,
Et j'ai vu quelques gammes aussi à Action, mais moi ce sont pas des gammes que j'aime bien à Action. C'est plus gourmand à Action que les sucrés, mais moi les sucrés je les aime trop trop trop. Ensuite j'adore. Il y a plein de flottes. J'adore. Donc Mathias a terminé un shampoing L'Oréal Elsève anti-pelliculaire, shampoing traitant, éliminer pellicule, purifie le cuir chevelu. Mathias aime beaucoup tout ce qui est L'Oréal pour les cheveux, donc je lui en rachète. J'en ai acheté d'autres d'une autre gamme et qu'il aime aussi beaucoup. Et ça sent trop trop bon. Il a terminé, je vais vous le mettre ici, un Axe. Celui-ci c'est le Energy Boost. Pareil, il les aime bien. Ceux-là je les avais achetés dans un truc de déstockage. Et c'est coûté 1,50€. Ça vaut vraiment vraiment le coup. On va s'essuyer la main. J'en ai partout. J'adore. Je sens le bonhomme. Ensuite, on a terminé pour les dents. On a terminé un Signal comme ceci. White Now System au charbon. Je l'aime bien. Maintenant, ça fait rien de plus que d'autres. Hein. Le charbon, je sais pas si c'est... Enfin, je trouve que ça fait pas grand effet. Bon, moi j'ai bien aimé et je serais grave susceptible de le racheter. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai un placard qui est rempli de brosses à dents et de dentifrice. Donc j'ai le temps. On a terminé deux brosses à dents de chez Signal. Je pense que ce sont franchement les meilleurs Signal qui durent dans le temps et qui nettoient vraiment bien les dents. Moi je les aime beaucoup, Mathias aussi. Et j'ai voulu tester une brosse à dents que j'ai achetée à Action en bambou et c'est nul. Franchement, c'est complètement nul. C'est bien l'écologie etc, mais ça pourrit en fait. Dès que ça prend l'humidité, enfin je trouve ça nul, je ne rachèterai pas. Et pour terminer les produits terminés, j'ai fini une miniature, enfin un format voyage de chez Herborian, la Cécérette Correct. Alors si vous me connaissez depuis maintenant plus d'un an, vous savez que je l'adore. Si vous avez envie de tester cette Cécérette, testez-la, prenez-la en format voyage. Elle m'a duré 10 mois. 10 mois, le petit tube qui fait 15 ml. Il vous en suffit tellement peu. C'est vrai que du coup, j'ai plus de mal à mettre du fond de teint. Mais je vais m'y remettre parce que j'ai racheté des fonds de teint que je voudrais tester. Mais ça, c'est le top du top. Et puis l'été, il n'y a rien de mieux. Et j'ai terminé de chez Sienne un mascara volume black. Celui-ci, que j'ai pas trop aimé. Que j'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'il apporte rien. Pourtant, la brosse... Moi c'est une brosse comme ça que j'aime bien. Vous savez, les grosses brosses en poils et tout. Mais non, je trouve qu'il attrape pas du tout les cils. Il les allonge pas, il donne pas de volume. Donc je l'ai terminé. Voilà pour les produits terminés. Truc de fou quoi. Je sais pas combien cette vidéo va durer. Mais je vous en fais une à peu près tous les 2-3 mois. J'ai remarqué, tous les 2 mois. Et je suis plutôt fière à chaque fois d'en finir autant. C'est vrai que j'en achète pas mal. Mais j'en termine quand même pas mal aussi. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse toujours autant. Moi j'adore regarder ce genre de vidéo pour avoir des avis. Et bref, moi je vous dis à demain pour le vlog de semaine. Et puis sinon, passez un très très bon week-end. Bisous tout le monde, à très très vite. Bisous.